1. Connexion profonde et authentique, vous ressentez une connexion véritable et profonde avec quelqu'un. Ce n'est pas seulement une attraction physique ou émotionnelle, mais une résonance spirituelle. Comme le disait le poète Rumi, les âmes se reconnaissent à la façon dont elles se sentent en paix l'une avec l'autre. 2. Croissance personnelle, votre relation inspire un changement positif en vous. Vous n'êtes pas seulement amoureux, mais vous êtes motivé à devenir la meilleure version de vous-même. Carl Jung parlait de l'individuation, un processus de devenir un soi complet. L'amour véritable encourage cette croissance. 3. Communication ouverte et honnête. Dans cette relation, la communication est ouverte, honnête et respectueuse. Vous pouvez partager vos pensées et sentiments les plus profonds sans crainte de jugement. 4. Respect de l'indépendance et de l'individualité. L'amour véritable respecte les individualités. Vous et votre partenaire appréciez vos moments ensemble, mais respectez également votre besoin d'espace personnel et de croissance indépendante. 5. Sentiment de paix et de sécurité. Vous vous sentez en sécurité et en paix dans cette relation. Il y a une absence de jeu de pouvoir ou de manipulation, juste un sentiment profond de sécurité émotionnelle. 6. Présence et engagement. Vous êtes tous deux pleinement présents dans la relation. Il y a un engagement envers l'autre qui va au-delà des mots, se manifestant dans des actions quotidiennes et un soutien constant. Cette vision partagée de l'avenir, vous partagez des objectifs et des rêves communs. Il y a une harmonie dans vos visions de l'avenir, signe que vous avancez dans la même direction. Ces signes sont des indicateurs clairs que vous êtes sur la voie de l'amour véritable, un amour qui nourrit et élève l'âme. Ce n'est pas une quête facile, mais elle en vaut la peine. Cherchez ces signes dans vos relations. Lorsque vous les trouvez, nourrissez-les avec attention et dévouement. L'amour véritable est un voyage, non une destination. Nous aspirons tous à cette connexion profonde et authentique. Sur cette voie, nous apprenons non seulement à aimer les autres, mais aussi à nous aimer nous-mêmes. Ensemble, en cultivant ces signes, nous pouvons trouver et maintenir un amour qui transcende le temps et l'espace.